Legends, une entreprise familiale depuis 35 ans déjà. Dès la création, l'entreprise se spécialise dans les plantes et la plantation. Installée dans l'arrondissement Verviers-Thouars depuis ses débuts, elle profite aujourd'hui d'un emplacement au sein du zoning des Plénesses. Un endroit qui leur a permis de se développer encore davantage dans l'aménagement extérieur. On a ici 5 départements en interne et je dirais même un 6e qui est vraiment propre à l'entreprise, qui est le bureau d'études. On a 4 architectes paysagistes qui travaillent à temps plein pour l'entreprise et pour proposer des solutions aux clients. Le reste des 5 départements reprennent un petit peu toute la partie espace vert, qui est la partie principale de l'entreprise. Des jardiniers paveurs également, tout ce qui est pierre et béton, donc qui font des terrasses, des garages, des escaliers et autres. On a la partie ferronnerie et bois, qui s'occupe de tout ce qui est pièces sur mesure pour le jardin, cabane, portail, carport. Le dernier département est le nouveau-né de l'entreprise. Les Jeans Piscines se développent depuis maintenant 2 ans et là aussi, le succès est grandissant. C'est une entreprise vraiment propre qui développe des piscines aussi bien extérieures qu'intérieures. On a déjà réalisé 2, 3, 4 piscines intérieures et encore 2 qui vont être faites cet hiver. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel à l'époque, on faisait des jardins et on devait sous-traiter la piscine. Et on a décidé à l'époque de trouver une solution et de s'associer avec SD Pool, Olivier Schmitz, pour proposer vraiment un service complet et des piscines vraiment de très très bonne qualité et sans problème technique. Grâce à son succès, Legends, c'est désormais 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 ouvriers et une dizaine d'employés. Legends a su créer sa renommée sur ses jardins d'exception. Morgan et Brice Legends, les fils du créateur, ont d'ailleurs su redonner un dynamisme à long terme pour ravir les particuliers comme les professionnels. On a deux vraiment clients types, je dirais. C'est aussi bien le privé qui nous propose de réaliser son jardin de A à Z, de la conception à la réalisation et voire des fois l'entretien, mais également l'entreprise générale qui s'occupe de la gare des Guillemins, d'une écluse, d'une voie d'autoroute et qui a besoin de planter, je dirais, les différents espaces et qui sous-traite ça à une entreprise comme la nôtre. Legends, c'est un service de A à Z. C'est une proposition complète d'aménagement extérieur. Nous avons des architectes renommés qui travaillent en interne chez nous, qui proposent des choses que les autres n'auront même pas l'idée, qui fait que le jardin est un jardin vraiment d'exception, ou un jardin différent en tout cas. Ce n'est pas un copier-coller par rapport à d'autres jardins. Et puis il y a en interne également des hommes, des contremaîtres, des chefs d'équipe, des ouvriers qui sont capables de réaliser des choses compliquées qui sont imaginées par nos architectes. Les jardins, c'est toute une histoire de famille chez les Legends. La modernisation de l'entreprise a porté ses fruits et le succès est tel que la société est devenue un modèle du secteur.